Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas sourcé, une émission d'histoire et d'études des religions. Cette vidéo fait suite à notre vidéo sur Attis et Cybèle, elle devait originellement en faire partie. Mais bien que ce soit une part du culte de la mère des dieux, le Torobol n'a pas grand chose à voir avec les problématiques qu'on regardait autour d'Attis. Du coup, ça aurait voulu dire faire une pause pendant un exposé déjà assez dense avant de revenir à la conclusion. Et je pense, si on traite cette problématique à part, c'est plus clair pour tout le monde. Vous aurez remarqué le générique légèrement différent, différence parce que après 3 vidéos assez longues qui cumulées font 2 ans, on va tenter de faire des formats plus courts, plus adaptés à YouTube, à commencer par cette vidéo sur le Torobol. Le Torobol consiste à sacrifier, comme son nom l'indique, un taureau. On voit ici une statuette trouvée au site romain de Vidi qui montre un prêtre versant du vin sur le front de l'animal comme il est coutume. La spécificité par rapport au sacrifice traditionnel du taureau serait que dans le cas du Torobol, le sacrifiant se place dans une tranchée sous l'animal et est aspergé du sang de la victime qui se trouve sur une plateforme. La série Rome sur HBO en montrait une scène dans son premier épisode d'ailleurs. On peut douter qu'on faisait à Rome des toroboles en lien avec la mère des dieux à l'époque de la guerre des Gaules, mais passons. Une de nos seules sources sur cette cérémonie se trouve être un poète chrétien, Prudence ou Prudentius. Au livre 10 de son Péristéphanon, il accuse les païens d'avoir corrompu le baptême avec leurs trucs sataniques et leurs douches de sang et tout. Certaines personnes vont du coup prétendre que c'est l'inverse et que les chrétiens ont piqué le torobol aux païens et en ont fait le baptême, mais c'est pas très sérieux. Parmi les autres textes, on a une mention floue chez Firmicus Maternus de nouveau, et un texte anonyme, le Carmen Contra Paganos, chant contre les païens, qui date toujours du 4e siècle et qui parle explicitement de descendre sous terre et d'être sali par le sang du taureau, donc ça semble être le même rituel. Dans son étude de 1969, Robert Dutoit identifie 3 phases du Torobol en se basant sur la multitude d'inscriptions et sur ses quelques textes. De toute évidence, c'est une reconstruction puisque les seuls textes qu'on a datent du 4e siècle, la 3e et dernière phase. La grande majorité des inscriptions toroboliques sont faites dans le contexte du culte de la mère des dieux à partir de la deuxième moitié du 2e siècle de notre ère. Parfois, Attis est mentionné. Mais les 4 plus vieilles inscriptions viennent d'Asie mineure et sont un peu à part. La plus vieille peut être ainsi datée à l'an 135 avant notre ère. Et on peut rajouter une étrange en Italie à Puteoli près de Naples qui est dédiée à la Vénus Caelestis. Ces exceptions font postuler à Franz Cumont, une hypothèse maintenant abandonnée, que le rituel aurait son origine dans le culte de déesses orientales, soit Bellone, une déesse guerrière connue pour ses rituels sanglants, soit Anaïta, une déesse perse. Et en dehors de ces exceptions et quelques-unes assez tardives à Athènes, elles sont faites majoritairement dans la partie occidentale de l'Empire, Gaule, Espagne, Italie ou encore Afrique. En se basant sur les verbes utilisés en conjonction avec le torobol, Robert Dutoit voit d'abord un torobolium facere des 160 dans une première phase. C'est en effet à cette date qu'on trouve la première mention datée d'un torobol en lien avec la mère des dieux sur un hôtel torobolique de Lyon, qui visait la santé de l'empereur Antonin qui est malade et allait d'ailleurs mourir dans l'année. Le rite aurait été ordonné par la grande mère idéenne et on décrit dessus que les testicules du taureau, Vires, ont été transportés du Vatican pour être enterrés là à Lugdunum. Par Vatican, il peut s'agir du temple de Cybèle à Rome, ou bien d'un sanctuaire similaire sur Lugdunum, par analogie, on peut imaginer. Autre exemple de l'usage du verbe facere sur un hôtel torobolique dédié à Commode, toujours à Lyon en 190. On lit torobolium fecerunt, littéralement les dédicants ont fait un torobol. Dans cette période, les dédicants ne sont pas spécialement aisés, le font pour leur santé ou celle de l'empereur, enfin, l'expression pro salute ne désigne pas que la santé, mais aussi le succès, la protection contre les dangers, la sécurité, la bonne fortune en somme. Un autre rituel assimilé au torobol est le cryobol, qui comme son nom l'indique consistait à sacrifier un bélier cryos en grec. Il devait avoir plus ou moins la même fonction, un peu moins cher on imagine, vu le calibre respectif des bestioles. Ensuite, entre 228 et 319, Dutoit voit une deuxième phase en se basant sur l'innovation du vocabulaire. Un torobolium décrit avec les verbes acquipere ou tradere, ce qui signifie accepter ou transmettre passé. En effet, ces inscriptions se distinguent par le fait que le prêtre qui exécute le rituel transmettrait quelque chose au dédicant. En se basant sur certaines inscriptions, il imagine le transfert d'un kernus qui devait être un récipient sacrificiel. Il postule qu'il s'agit d'un bol rempli du sang de l'animal, qu'on passait au dédicant,
et qu'il s'agit donc d'une transition entre le sacrifice normal du taureau, entre guillemets, et le taureau-bol avec le sacrificiant aspergé de sang. La dernière phase se trouve au IVe siècle avec le taurobolium percipere, c'est-à-dire plus ou moins recevoir, et l'expression taurobolietus qui apparaît aussi en même temps. Et pour lui, c'est seulement là que le rituel décrit par les textes et montré par la série Rome apparaîtrait. À ce stade, les dédicants sont en grande partie issus de l'élite païenne. En outre, les dédications sont uniquement privées et ça fait sens. En effet, on faisait le rituel pour son salut ou pour le salut de l'empereur, et dès cette période, en dehors de Julien, tous les empereurs sont chrétiens, donc on va pas faire un taurobol en leur honneur. Cette phase du rituel serait marquée par l'importance du sang, qui aurait une vertu purificatrice. En se basant sur certaines inscriptions et le Carmen contra Paganos, il en conclut que l'efficacité du rituel diminuait dans le temps et qu'il était coutume de le répéter tous les 20 ans, et on trouve parfois des mentions de natalicium, jour de naissance, qui pourraient indiquer soit que le rite était une nouvelle naissance pour le dédicant, soit que les gens choisissaient de le pratiquer lors de leur anniversaire, ce qui indiquerait une importance personnelle accordée au rite. Tout le monde n'est pas d'accord avec son analyse, Robert Turcan par exemple pense que la dimension salvatrice de la douche de sang aurait été présente dès le départ. D'autres au contraire ont suggéré que ces apologistes chrétiens exagèrent la nature sanglante du rituel, voire l'inventent complètement, et qu'il n'aurait pas eu cette forme du tout. Pourtant les témoignages chrétiens semblent s'accorder sur son fonctionnement global et sa cadre avec les inscriptions. Aussi, il y a des problèmes logistiques si le taurobol a toujours eu sa forme finale. Quand c'est une personne privée qui le fait pour son propre salut, on penserait normal que ce soit elle-même qui soit aspergée de sang. Mais quand on le fait pour une personne absente, par exemple pour le salut d'un empereur, qui aurait été sous l'animal ? Le prêtre ? C'est assez difficile à élucider en l'état. Prudence parle explicitement dans son texte d'un prêtre, donc peut-être que c'était effectivement eux qui étaient aspergés de sang et pas les dédicants, mais le Carmen contra Paganos laisse entendre que le récepteur n'est pas un prêtre et du coup la question reste ouverte. Jérémy Rutter, qui publie un peu avant Dutoit en 1968 une monographie sur l'évolution du taureau-bol avec une chronologie légèrement différente, considère par exemple que couper puis enterrer les testicules du taureau sacrifié serait une substitution à la castration des galles, une hypothèse qui était déjà soutenue par Fraser en s'appuyant sur le protreptique de Clément d'Alexandrie, où on voit que Jupiter arrache les testicules d'un bélier et les jette dans le sein de Cérès, ici assimilé à Cybèle, lui laissant croire qu'il s'était mutilé volontairement, autrement dit il castre un bélier à sa place. Certains ont pensé que ça reflétait une pratique où le criobol, où on sacrifiait un bélier, remplaçait la castration pour le fidèle adepte de Cybèle. Mais comme Dutoit le souligne, le terme virès n'est pas forcément clair. À partir de Van Dale, on considère généralement qu'il s'agit des testicules du taureau, ou alors pour De Boissieux, qu'il s'agit des éléments du taureau qui représentent sa vitalité, son sang, ses testicules et ses cornes. Mais en tout cas, on est généralement dans ces eaux-là, et c'est une hypothèse assez répandue, mais ça reste une hypothèse, et il n'y a rien de solide qui vient soutenir que ça remplaçait vraiment la castration pour les galles. Une possibilité d'interpréter ces trois innovations qui arrivent à peu près en même temps, les canophores, l'archigale, le taurobol, serait que les trois témoignent de l'intégration progressive du culte dans la société romaine. L'archigale fait que ce culte étranger est maintenant encadré de façon plus officielle, plus proche du système des pontifes. Les dendrophores d'abord, les porteurs d'arbres, puis les canophores, porteurs de roseaux, sont deux collèges que les citoyens romains peuvent rejoindre pour participer au rite de la mère des dieux, puisque la prêtrise leur est interdite, puisqu'ils ne peuvent pas se castrer. De la même manière, le taurobol est aussi un élément de substitution, ça permet aux Romains une participation plus active, comme les collèges de dendrophores qui parfois offrent d'ailleurs des tauroboles. Ça leur permet aussi d'afficher leur civisme en l'offrant pour le salut de l'empereur, de montrer leur loyauté. Et ça devient également un marqueur de statut et d'identité quand la religion romaine entre dans sa crise finale avec la faveur d'État accordée au christianisme. Ça permet à l'aristocratie païenne, polythéiste, d'afficher son paganisme, sa romanité et de se distinguer des chrétiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est resté assez vague et théorique, mais comme on vous l'a dit, on a assez peu de traces de ces cultes, donc on est un peu laissé à faire nos reconstructions qui restent justement spéculatives. Et on voulait rester assez bref sans forcément examiner des centaines de pièces archéologiques. Vous trouverez comme d'habitude dans la description de cette vidéo un lien vers le script de l'épisode, avec à la fin une bibliographie qui donne des liens, quand elles sont disponibles, vers des traductions en ligne des différentes œuvres qu'on a évoquées, en l'occurrence le Carmen contra Paganos, le De Errore Profanorum de Firmicus Maternus et le Peristephanon de Prudence. Pour une revue plus détaillée des diverses théories, on vous renvoie bien sûr à l'étude de Robert Dutoit lui-même, mais aussi au dernier chapitre du livre Soteriology and Mystic Aspects in the Cult of Cybele and Attis de Giulia Gasparro, qui présente diverses analyses du taurobol de manière plus fine qu'on ne peut le faire dans cette vidéo. En tous les cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, et n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne ou à consulter nos trois précédentes vidéos, et on vous dit à bientôt, en tout cas avant Noël, pour notre vidéo sur Sol Invictus et est-ce que sa fête aurait inspiré la date de la fête de Noël, ce genre de questionnement-là. Donc, à la prochaine.